Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto dans laquelle je vais tout simplement vous montrer la position d'un nouveau spectre. Donc, nouveau spectre qui a été trouvé il y a environ 2 semaines par une personne qui est, je crois, allemande, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, si jamais il y a un petit doute là-dessus, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Le lien de sa chaîne qui est Unspeltacular. Donc je mettrai tout ça dans la barre d'infos, ça a été trouvé il y a 2 semaines. Si je me trompe pas, c'est bien lui l'auteur de cette découverte. En ce qui concerne le fameux spectre en question, il va falloir lancer Fogot, donc la mission Les Fosses de l'Invocation, donc plutôt l'assaut. Donc vous le lancez, alors de préférence avec deux de vos collègues, puisque si jamais Fogot est éliminé, ça ne vous laissera peut-être pas le temps nécessaire pour rejoindre ce spectre, puisque vous allez le voir qu'il va falloir un petit peu crapahuter dans les hauteurs de la salle finale de Fogot. Donc c'est parti, vous êtes dans la salle finale, bien caché derrière le petit rocher qui vous sert de protection que tout le monde connaît jusqu'ici. Et donc il va falloir que l'un de vos deux collègues prenne l'aggro sur Fogot pour que vous soyez relativement tranquille. Et le but, c'est tout simplement d'escalader les rochers qui se trouvent juste derrière le premier rocher derrière lequel on se cache habituellement. Donc vous l'aurez compris, il va falloir monter cette corniche au plus haut possible et vous allez devoir par la suite l'allonger. Donc c'est bien plus facile avec un arcaniste ou un titan, un peu plus difficile avec un chasseur. Donc il va falloir être très patient et très habile et vous arriverez ainsi au point culminant juste ici au niveau du bord de la falaise. Et donc il va falloir rejoindre en un seul bond l'opposé et tout simplement les hauteurs de la salle finale de Fogot. Donc à savoir que je suis passée par le côté gauche, mais que vous pouvez aussi passer par le côté droite, mais attention, il y a un rocher un petit peu plus en hauteur qui va vous gêner. Donc une fois que vous êtes tout en haut, le spectre, il se trouve tout simplement ici à vos pieds, et donc lorsque vous allez le réanimer, vous allez débloquer une nouvelle carte de grimoire, l'Exo Inconnu 2, et donc je vous laisserai découvrir par vous-même le contenu de cette carte de grimoire directement sur Bungie. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je remercie au passage mes deux acolytes, donc Killrou et Titou le plot orange, qui m'ont aidé à réaliser ce petit tuto. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde!